Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité et ce sans rien faire. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à faire une grosse dédicace à juste Sniped. Je mettrai sa chaîne en description, je sais plus s'il en a une ou pas, mais c'est lui qui m'a présenté le glitch, donc grosse dédicace à toi frérot. Et avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter aussi une fois tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créatif et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours. Alors le code du glitch que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le 7264297. 8032. Donc voilà, vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map. Le code sera aussi en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé. Ah ben apparemment je peux pas la lancer en privé. Je peux la lancer que en privé. Alors ça c'est très chelou. Mais bon, vous lancez la map. Et pendant que la map est en train de se lancer, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite et entrer le code SC. M en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent. C'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Donc merci énormément et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Alors pendant que la map se charge aussi, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Voilà, merci à tous. Donc là, ce que vous allez faire, c'est attendre que la partie se lance. Ok, donc quand la partie est lancée, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option menu lancer le jeu. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'attendre 10 minutes, même si ce n'est pas obligatoire. Mais si, par exemple, vous avez 10 minutes devant vous, vous attendez 10 minutes et ensuite vous faites le glitch. Et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus d'XP. Ou alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Je suis pas sûr que, en attendant 10 minutes, ça vous rapportera plus d'XP. Mais moi, je vais quand même tenter le coup et attendre 10 minutes parce que j'ai 10 minutes devant moi. Après, si vous n'avez pas 10 minutes devant vous, ce que vous faites, c'est que vous faites le glitch directement. Voilà, on verra bien si vous gagnez beaucoup d'XP ou pas. Donc voilà, moi je vais quand même attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. A tout de suite. Ok, donc dans 21 secondes, j'aurai attendu 10 minutes. Alors ce que je vais faire, enfin je vais déjà vous présenter le glitch. Les 20 secondes passeront. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est de prendre une mitraillette. Un fusil, n'importe lequel. Donc bien entendu, moi je vous conseille le pistolet mitrailleur à tir rapide. Voilà. Vous avez des munitions illimitées, donc tranquille. Ensuite, vous prenez la faille qui est juste ici. Ensuite là, vous allez construire. Regardez, j'ai reçu 3000 d'XP et j'avais reçu 2000 juste avant. Donc par contre, voilà, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous avancez jusqu'ici parce que sinon vous ne pouvez pas construire. Là, je ne peux pas construire. J'avance jusqu'ici et là, je peux construire. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement construire. Voilà, vous construisez comme ça. Et là, vous allez chercher le gros bloc qui est là-bas. La grosse caisse là, on dirait avec des miroirs. Vous allez rejoindre cet emplacement. Donc faites attention de ne pas tomber dans l'eau parce que si vous tombez dans l'eau, vous ne pourrez plus construire. Donc faut vraiment construire jusque là-bas. Et vous voyez le bloc, à côté du bloc, il y a une sorte de plateforme, enfin une petite île comme ça juste à côté, gauche. Eh ben, il faudra rejoindre cette île pour faire le glitch. Donc sur cette île, il y a un bot. Et ce bot, en fait, vous allez le tuer en illimité et vous allez voir que ça va vous donner des XP en illimité. Donc là, je vais essayer de descendre. Hop, on va contourner ça. Voilà. Parfait. Et là, vous rejoignez l'île. Comme je suis en train de le faire. Et à cet emplacement-là, il va falloir bloquer les spawns en construisant. Hop, encore un, je crois. Voilà, parfait. Voilà. Donc quand vous êtes ici, ce que vous allez faire, c'est construire des murs partout. Tac. Ah, je peux pas construire des murs, ok. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un sol juste ici. Voilà. Vous faites ça. Ensuite, on va tomber là. Là, on va mettre des murs partout. Comme ceci. Ensuite, vous mettez des chapeaux sur les sols. Voilà. Vous remettez des murs. Parfait. Hop, on sort de la boîte. On referme la boîte. Et là maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement tuer le bot en illimité. Donc là, regardez, quand je tue le bot, je gagne 28 d'XP. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un élastique sur votre touche. Vous mettez un élastique sur votre touche tirée.
et ça tirera en illimité. Donc vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc vous mettez un élastique et vous allez manger, vous allez dormir, vous allez faire ce que vous voulez et vous allez gagner des XP en illimité. Alors là, je gagne que 55 par kill, mais voire 100. Mais vous allez gagner sûrement beaucoup plus d'XP si vous n'avez pas farmé les glitches. Parce que je pense que à un moment donné, j'avais un compte qui prenait 200 XP par kill. Donc ça montait super vite. Franchement, je faisais facile 5000 XP par minute. Donc là, c'est un peu plus long, plus lent. Mais voilà, c'est quand même un bon petit glitch qui va vous permettre d'XP en illimité sans rien faire dans la saison 4 de Fortnite chapitre 3. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.